Je vais donc vous présenter les motifs d'inquiétude des parents en m'appuyant sur certains des témoignages que Vigigender reçoit et sur les documents publics. Tout d'abord, sur la BCD de l'égalité, les parents sont inquiets car la BCD de l'égalité est fondée sur le postulat que les différences de comportement, de centre d'intérêt, de rôle des hommes et des femmes sont une pure construction de la société, notamment de l'éducation, sans aucune influence du corps sexué. La BCD de l'égalité nie le corps. C'est tout simplement l'application de l'idéologie du gender. Cela apparaît clairement dans les vidéos de formation qui figurent sur le site, notamment celle de Véronique Rouillet, dont la description figurant sur le site vous est donnée sur cette planche, et je cite, c'est la description, « Tout individu au cours de sa vie est amené à assimiler des normes et des codes sociaux relatifs au masculin et au féminin. C'est par ces processus que vont se créer et évoluer tout au long de la vie les identités sexuées. Exit le corps. » Véronique Rouillet y explique que les personnes qui pensent encore que les différences hommes-femmes résultent à la fois du biologique et du social ont des croyances essentialistes. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le zapping de la BCD. La BCD de l'égalité prévoit donc, comme on l'a vu, de déconstruire ce qu'ils appellent les stéréotypes de genre, c'est-à-dire les représentations du masculin et du féminin qu'ont les enfants, au motif que tout est construit. Ne va-t-il pas perturber l'enfant dans sa construction, la construction de son identité de garçon ou de fille, en brouillant les repères qu'il a sur l'homme et sur la femme? Comment s'assurer qu'un professeur ne va pas dire un propos qui va profondément blesser un enfant dans sa psychologie? Ne va-t-il pas remettre en cause tout ce que les parents ont transmis à leur enfant et mettre ainsi l'enfant dans une situation angoissante car il ne saura plus à qui faire confiance? Ses parents? Son professeur? Est-ce qu'on considère que les parents sont incapables d'éduquer leurs enfants? Enfin, que va-t-il advenir des garçons avec ce programme? Regardez. Le constat aujourd'hui sur la question de l'égalité filles-garçons, c'est toujours le même depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a des filles qui réussissent bien mieux que les garçons à l'école. Sur la supervision du travail individuel, on a aussi une présence plus forte des enseignants et des enseignantes sur le travail des garçons. Les garçons bénéficient d'un enseignement beaucoup plus personnalisé. Il y a une chercheuse qui s'appelle Marie Durubella. Elle a évalué à 36 heures la différence de temps de cours de mathématiques entre sur une période du CE2 jusqu'à la 5e par ces petites rétroactions qu'on fait aux enfants. Dit là, c'était une addition, on avait dit une addition, fais attention, enfin, ces petites choses hein, qui remettent l'enfant dans la tâche et dans la consigne. Et mon aide pédagogique s'adresse-t-elle en nombre et en temps, autant aux garçons qu'aux filles? Et en type d'aide, est-elle de même nature? Alors, l'ABCD de l'égalité propose quelques 200 livres pour les professeurs. Ils sont classés, et je vais vous en présenter juste trois. Les trois livres que je vais vous présenter sont classés dans la rubrique « Tous à poil » d'un recueil de 92 livres pour bousculer les stéréotypes filles-garçons. Je ne présente pas le premier, « Tous à poil », qui est devenu célèbre. Je vous présente les deux suivants. « Les chatouilles », je cite, « Une petite fille sort de son lit sur la pointe des pieds et entre dans la chambre de son frère qui dort encore. Armée d'une plume, elle commence le rituel du réveil de petite chatouille. Tout est chatouillable et chatouillé, et chaque partie du corps participe, du pied à la langue, de l'oreille au mollet, dans un joyeux mélange. Sous la couette, on trouve aussi le chat et le nounours entraînés dans la ronde des caresses et des jeux. » Et vous avez un extrait de ce livre-là. « Zizi Zézette, mode d'emploi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les zizi et les zézettes, sans jamais oser le demander. Ce manuel répertorie tous les conseils d'utilisation nécessaires, etc. » En quoi ces livres vont-ils influer sur les jeunes filles pour qu'elles choisissent davantage les filières scientifiques?
Au-delà de l'ABCD de l'égalité, le gender se diffuse par d'autres moyens à l'école. Il nous a paru nécessaire de vous en donner des exemples au cours de cette soirée, car le sujet est grave et il concerne des enfants, des très petits enfants. Le cœur du gender, c'est la promotion de l'indifférenciation sexuelle. Et donc le gender va se diffuser à l'école par deux vecteurs. La promotion de l'indifférenciation garçon-fille, sous couvert d'égalité. La promotion de toutes les orientations sexuelles au motif de lutter contre l'homophobie. En voici quelques témoignages concrets parmi plein d'autres que Vigigender reçoit en provenance des écoles publiques comme privées. Les parents sont inquiets car certains professeurs militants veulent déconstruire la complémentarité des sexes. Cela apparaît clairement dans le dossier qui s'intitule « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire » établi par le syndicat d'enseignants majoritaires dans le primaire SNUIPP. Le fondement de ce rapport, le voici. Je cite « Revendiquer l'égalité de tous les individus, quel que soit leur sexe et leur orientation sexuelle, c'est déconstruire la complémentarité des sexes et donc reconstruire de nouveaux fondements républicains. » Réjeanne Sénac, chercheure au CNRS, professeure à Sciences Po. Cette déconstruction passe par la lecture de livres qui ont pour but de changer les représentations du masculin et du féminin dans l'esprit des enfants, leur vision des relations amoureuses et leur vision de la famille, toutes les compositions autour de l'enfant leur étant présentées comme comparables, comme vous le voyez ici. Voici quelques livres conseillés par le dossier du SNUP et utilisés par certains professeurs aujourd'hui. « J'ai deux papas qui s'aiment », Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? Je me marierai avec Anna, l'histoire du petit garçon qui était une petite fille, Mehdi met du rouge à lèvres. Comment s'étonner alors que des enfants rentrent de l'école en posant des questions inhabituelles pour des enfants ? Comme ce garçon rentrait très triste un jour et ne sortant pas de sa tristesse pendant plusieurs jours. Il a fini par dire à sa maman qui cherchait à comprendre son mal-être, « Maman, quand est-ce que je vais savoir si je suis un garçon ?» Ou ce garçon qui demande à son père à son retour d'école « Papa, est-ce que je serai homosexuel ?» Mais comment s'étonner de cette question quand on sait que le film « Le baiser de la lune », après avoir été interdit à la suite d'une polémique en 2010, a été à nouveau autorisé depuis 2012 pour être montré par les enseignants aux enfants des classes. C'est l'histoire de deux poissons mâles qui tombent amoureux. Il a été récemment montré, je l'ai appris hier, à des enfants de 3 ans. Dans le Val-de-Marne. Un enfant en rentrant de l'école a dit à sa maman qu'ils avaient vu un film bizarre. Les parents sont inquiets car des associations militantes, LGBT ou féministes, interviennent à l'école, et ce, de plusieurs manières. À travers la ligne Azur, tout d'abord, qui a un partenariat avec l'Éducation nationale depuis 2009. C'est un dispositif d'écoute et de conseil pour les jeunes qui se posent des questions que vous voyez ici sur l'affiche de la campagne 2014. Suis-je une fille ou un garçon ? Suis-je homo, bi ou hétéro ? Comme si notre orientation sexuelle pouvait nous définir. Benoît Hamon vient d'écrire à tous les établissements secondaires de France, leur demandant de faire connaître la ligne Azur aux élèves, donc à partir de la 6e, et au personnel, à travers des affiches et des cartes mémo. Des petites cartes mémo comme celle-ci, distribuées aux élèves. Voici le tableau qui figure sur ce site de ligne Azur. Site que l'on identifie tout de suite en raison de son, comme un étant porté par une association féministe, en raison de son écriture féminisée. Une association militante. Il est écrit que ce tableau doit permettre à chacun de trouver son équilibre en fonction de différentes dimensions. Je suis née, mâle ou femelle. J'ai été déclarée à l'état civil, sexe masculin, féminin, indéterminé. Je me sens homme, femme, trans. Je suis perçue. J'ai des relations sexuelles avec homme, femme, au pluriel ou au singulier. Ce que je fais, une pratique sexuelle. Toutes ces dimensions de la personne sont présentées comme pouvant être totalement déconnectées. On peut simplement se demander alors, comment un jeune qui appellera la ligne Azur trouvera un soutien qui lui permettra de trouver son équilibre. Voici la sexualité présentée par Ligne Azur. Son objet est la recherche du plaisir après négociation entre deux partenaires mus par leurs pulsions et leurs désirs.
Non, mais... Où est l'éducation au respect de la dignité de la personne, corps, cœur, esprit ? Respect de la dignité de la personne défendue par la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, je cite, « Construire une société où les rapports entre les sexes évoluent vers plus d'égalité, de liberté et d'émancipation implique dès le plus jeune âge la reconnaissance et le respect de la dignité de la personne. » Comment peut-on parler de dignité de la personne quand la sexualité est réduite à des négociations entre partenaires ? Les associations militantes et LGBT et féministes interviennent aussi directement à l'école, puisqu'elles disposent d'un agrément de l'éducation nationale, notamment SOS Homophobie, le planning familial et plein d'autres. Certaines associations présentent les différentes pratiques sexuelles, parfois avec force détail. Et enfin, certaines d'entre elles interviennent au primaire, en allant par exemple expliquer l'homosexualité aux enfants. Les parents sont inquiets, car en première ES et L, le gender est enseigné dans les manuels scolaires, dans le chapitre intitulé « Devenir homme ou femme ». Le manuel Bordas, par exemple, dit que le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Des parents retirent leurs enfants des cours de SVT lorsque ce chapitre est abordé. Ensuite, des expositions à l'école, financées par l'État, apprennent aux jeunes filles à détester la maternité. Ces photos prises dans un lycée de Toulouse montrent bien l'indifférenciation homme-femme qui est visée, la fameuse égalité réelle. En fait, ils disent « pour faire carrière, une seule solution, inventer l'homme enceint ». Les parents sont inquiets car de plus en plus d'activités extrascolaires véhiculent le gender, sans que ce soit évidemment toujours clairement affiché. Parfois, les professeurs le découvrent eux-mêmes en accompagnant leur classe. Quelques témoignages encore. Le film Tomboy, présenté dès 7 ans dans le cadre du dispositif facultatif École et cinéma ou Collège et cinéma depuis 2012. Film fait pour des adultes, comme c'est écrit sur la jaquette anglaise du film que vous voyez ici, qui raconte l'histoire d'une fille de 10 ans qui, à l'occasion d'un déménagement, se fait passer pour un garçon. Ce film, où le mensonge cohabite avec la violence, a reçu un prix LGBT. La réalisatrice a déclaré « Il faut toucher un maximum de gens avec des messages subversifs et politiques ». Dans une école de Gironde, le questionnaire que vous voyez là a été donné aux enfants de CM1, CM2, juste avant la diffusion du film. Il est proposé par l'infirmière de l'académie qui a été spécialement et récemment formée pour ça. Quelques questions de ce questionnaire. À quoi reconnaît-on un garçon, une fille ? Cite 3 inconvénients, avantages à être un garçon, une fille. Est-ce que c'est mieux d'être un garçon, une fille, etc. Ce qui inquiète par-dessus tout les parents pour les activités extrascolaires, c'est que leur avis n'est pas toujours pris et ils ne savent pas comment agir dans ce cas. La circulaire sur les sorties scolaires de septembre 1999 prévoit en effet que toute activité organisée par l'école sur le temps scolaire ne nécessite qu'une information des parents. Certaines écoles demandent néanmoins l'autorisation des parents. Vous voyez un exemple ici. Dans un village de l'Aisne, les parents de l'école ont été informés que les enfants du CE1 au CM2 iraient voir Tomboy à la salle des fêtes, ouverte par le maire. C'était cet après-midi. Bien que l'avis des parents n'ait pas été pris, une maman a décidé de garder son enfant chez elle. C'est la seule. Elle s'est démenée depuis 3 jours pour que la diffusion du film soit annulée, en rencontrant la maîtresse, la directrice, en allant voir le maire, en appelant l'académie, en vain. La directrice lui a dit « C'est le but que les enfants en parlent entre eux et même aux tout-petits, partout. » Cette maman en a parlé aux parents autour d'elle, mais ils n'ont pas réagi, ils ne voient pas le problème, et cette maman s'est sentie vraiment très seule. Ainsi, aujourd'hui, 100 enfants ont vu Tomboy dans ce village, comme cela fut le cas dans le village voisin il y a quelques jours et comme c'est prévu dans les prochains jours pour les villages alentours dans la même salle des fêtes. Des bataillons d'enfants sont ainsi emmenés partout en France pour voir un film d'adultes qui peut blesser profondément les plus sensibles, profitant du fait que les parents ne sont pas éclairés ou n'osent tout simplement rien dire. Quand plusieurs parents de Gironde ont appris a posteriori que leur enfant avait vu Tomboy parce qu'eux n'ont même pas eu le droit d'être informés. Ils ont sollicité par un mail le directeur pour avoir un entretien afin d'initier un débat, pour discuter. Voici le mot que le directeur a fait coller par les enfants, dans le cahier de liaison, donc visible des enfants. Les parents sont accusés de faire de la propagande extrémiste.
L'actualité s'invite à l'école, qui ne peut être le creuset de polémiques issues de propagande extrémiste et politique pour instiller des informations mensongères et inacceptables. L'école n'a pas à demander l'autorisation aux parents, etc. Vous voyez, aucune intention de dialogue de la part de l'école. Cette histoire a fait énormément de bruit. Les parents ont fini par avoir des excuses du directeur 4 mois après, lors d'un entretien qu'ils ont demandé. Le directeur n'a néanmoins pas voulu reconnaître le message subversif du film. Il a dit aux parents, dont le fils avait très vite compris les messages, que leur fils était trop sensible et qu'ils devraient revoir leur éducation qui devait être vraiment trop rigide. Voici un spectacle qu'ont été voir des enfants à partir de 5 ans. C'est un spectacle de jonglage itinérant, très bien fait de ce point de vue, itinérant dans plusieurs villes de France comme Orléans, Lille, Ollioules et soutenu par les mairies. À un moment donné, un homme se met nu et deux hommes s'embrassent. À Orléans, il a été présenté à des enfants de la grande section de maternelle, 5 ans. Les enseignants ont tout simplement fait confiance à l'avis de la mairie. Des classes ont visité en mai le Salon d'art contemporain de Montrouge, aujourd'hui terminé. Voici des photos de quelques œuvres du salon prises le 24 mai. Une photo d'un homme en jupe, un tableau où il est écrit « Vive la clitocratie, fuck la parité ». On aura l'air de quoi à notre mariage avec nos deux paires de jumelles. Le site du salon indique qu'une attention particulière est accordée à l'éveil de tous les publics avec une journée interdite aux parents pendant laquelle les plus petits sont invités à découvrir les œuvres en compagnie de médiateurs culturels. Parmi ces œuvres, en figure une très originale. Ce sont des boîtes de gâteaux à l'ancienne, de la marque La Cure Gourmande, détournées par l'artiste pour l'occasion, dont le dessus ne représente pas des gourmandises sucrées. Je vous laisse admirer. Pour votre information, la société La Cure Gourmande, qui existe, a porté plainte. Enfin, de manière générale, les parents sont inquiets parce qu'ils n'ont plus de place à l'école. Ainsi, 3 parents se sont fait exclure de la FCPE, Association de parents d'élèves pro-gender, après qu'ils ont demandé lors d'une réunion des informations sur la théorie du genre et la BCD de l'égalité, c'était en décembre. Leurs noms ont été placardés à l'entrée de l'école sur la fiche que vous voyez. Madame, monsieur, madame ont été exclus de la FCPE suite au fait qu'ils colportent de fausses informations sur une prétendue théorie du genre dans le cadre d'une campagne de dénigrement cherchant à faire peur aux parents d'élèves en leur faisant croire à une conspiration. Ces propos sont clairement contraires aux valeurs de tolérance et d'égalité portées par la FCPE. Une des mamans ne pouvait même plus emmener son enfant à l'école tellement elle pleurait. C'était sa propre maman qui a dû emmener l'enfant. Et au bout de quelques jours, elle a retiré son enfant, qui est maintenant scolarisé à domicile. 2 des parents ont retiré leur enfant et les parents ont porté plainte. Dernier témoignage. Le lendemain de la diffusion du film Tomboy, aux classes de 6e d'un collège public, un professeur a passé le DVD à un garçon qui était resté chez lui, ses parents ayant refusé qu'il voie le film. Le garçon n'a pas osé dire non au professeur. Le principal que les parents avaient rencontré pour lui signifier leur désaccord, même si leur avis n'était pas demandé, avait accepté que l'enfant reste chez lui, bien qu'il fût au départ très réticent à cela. Le film a été par la suite étudié pendant 3 cours de français, avec 2 contrôles à la clé. Reçus par le recteur d'académie à leur demande, les parents, quand même très ennuyés, voire franchement agacés, ont exposé les troubles engendrés par ce film sur leur enfant. Ils se sont entendus dire « L'éducation nationale a le devoir et la vocation de faire comprendre aux enfants le monde dans lequel ils vont vivre demain. » C'est donc une école pour les forts, disent les parents. Que faites-vous pour les autres, plus petits, plus fragiles, ou avec un peu de maturité, ou avec peu de maturité ? Vous êtes libre de revoir avec eux cet enseignement avant ou après qu'ils l'aient reçu, répond le recteur. À la fin de l'entretien, sans aucun mot d'excuse sur l'attitude du professeur, le recteur conclut « Nous vous avons écouté, mais pas entendu. » Oui, il y a beaucoup de parents inquiets, mais il y a surtout beaucoup de parents qui n'osent rien dire. Ils ne sont plus libres de dire que tel ou tel cours ou telle activité n'est pas en accord avec l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prisonniers de leur peur. Peur d'être traité d'homophobe et d'extrémiste, peur d'avoir des pressions, peur de perdre leur travail même,
peur que cela retombe sur leur enfant et que ce soit pire encore. Et bien sûr, il y a aussi des enseignants qui ont peur, peur de devoir appliquer des directives qui heurtent leur conscience. Mais, et je finirai par là, il y a surtout beaucoup de parents et d'enseignants qui ne savent pas ce qu'est le gender, qui ne savent pas que derrière l'égalité garçon-fille, c'est l'indifférenciation qui est visée. Nous avons tous un devoir d'informer les personnes autour de nous. VigiGender a fait un dépliant d'informations que vous trouverez sur son site et que nous vous invitons à distribuer autour de vous. Vous en trouverez quelques-uns à la sortie de cette soirée. Je vous remercie.